ça fait peur. Après 4h10 de route, on arrive enfin à destination pour le tournage Riding Zone. On va voir ce que ça donne. Yo les potes, en fait nous sommes ici dans une arène, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, pour un tournage Riding Zone. Donc nous sommes avec Ahmed Zarioik juste ici. Nous sommes également avec ce bon vieux Leonardo Roux, toujours en train de dormir, n'est-ce pas? Et en guest, j'ai envie de dire, Charles de la West Coast Family, je ne sais pas s'il veut que je le montre en train de dormir. Très bien. Voilà, on est une petite équipe de choc. Et on a surtout les professionnels qui sont là pour nous apprendre les choses. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il va y avoir des morts, je pense. Ça va être marrant ou pas. Donc on verra ça. Cette semaine, le défi Riding Zone fait entrer dans l'arène un nouveau genre de torero. Des spécialistes du parcours qui ne savent pas vraiment ce qui les attend. Ce matin, nous avons un peu tenté d'apprendre certaines techniques de la... Ça s'appelle comment déjà? La vache quoi? Non, la course quoi? Hollandaise. Non, pas hollandaise. Landaise, non? Merde, je me rappelle plus du nom. Je crois que ça s'appelle la course landaise. Du coup, il y a des esquives, des figures par-dessus la vache. Bon, à l'aise. Ouh, tranquille celui-là. Parfait. Bon, tranquille. Du coup, je sais pas qui va prendre son courage à deux mains tout à l'heure pour le faire. Il est 17h, le spectacle va commencer. Le public nombreux est en place. La vache fait son entrée dans l'arène. Le premier écart est joliment effectué. Ça va se compliquer pour les autres. Des collisions qui ne rassurent pas nos apprentis sauteurs. Surtout que leur tour est arrivé. Ahmed et Léo entrent en piste. Face à eux, la remuante Muriel. Le champion de France, Kevin, va leur montrer le chemin. Allez Léo, on est avec toi. Léo assure le coup pour son premier essai en faisant un saut de course. Ahmed s'avance à son tour. Et c'est le choc. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, arrive, attention! Oh putain, ça va? Je crois que ça va. Ah okay, bon. Ouais, ça va? Ça fait peur. Ahmed, est-ce que tu peux quand même venir saluer? Ça pue aime ça. Voilà. Mais tu n'as rien. T'aurais pu revenir. Allez Ahmed, Léo et Kevin. Excellent, voilà. Merci Léo, merci Ahmed. Au tour de Charles et Alex de rentrer en scène. Petite difficulté, la vache ici n'est pas encordée. Mais Charles s'élance tout de go et réalise le premier costal de l'histoire de la course landaise. Aussitôt suivi par Alex. Allez Alex, Alex, par leur courage et leur détermination, nos quatre traceurs ont prouvé qu'ils pouvaient devenir les premiers toreros en jogging.
bravo mec. Il était très fort. Alors les potes, ça s'est passé, je ne dirais pas si c'est bien passé ou mal passé, normalement vous aurez vu les images. Alors Ahmed, pour si, ça s'est très bien passé, franchement ça aurait pu être vraiment pire. Et je suis content d'y être allé, d'avoir sauté quand même. Et j'ai pas levé les jambes assez vite. Et je vais avoir un bel œuf et être tranquille, mais c'est une super expérience, franchement, trop cool. Et toi Léo, t'en as pensé quoi? Ça va, c'était marrant. On a tapé quoi. Ça s'est bien passé. Yeux avec la machette. Ouais, voilà. On a ouvert le bal, on va dire. Ouais. C'était très cool, donc j'espère qu'on aura l'occasion de retourner pour Ending Zone parce que c'est très sympa. Et du coup, on mettra tous les liens en description. Et sinon, moi, mon costal, je pense que j'ai jamais autant décollé pour un side flip. Et du coup, c'était vraiment très cool. Une sensation de ouf quand tu vois la vachette te foncer dessus, mais voilà. Du coup, je pense qu'on peut se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les potes, ciao.